moi, Laurette, je suis formatrice en compétences numériques maintenant sur HDR. Avant, j'étais aussi sur Elbeuf. Je suis aussi référente numérique depuis 2 mois. En gros, si je devais me résumer en termes professionnels, j'en suis à ma deuxième carrière. Donc, formation, c'est ma deuxième partie de vie pro. Avant ça, j'étais directrice de magasin. J'ai fait ça pendant à peu près 10 ans, à la fois sur Paris et un petit bout sur la Normandie. J'ai arrêté mon activité pour passer un diplôme de community manager, donc un diplôme très numérique puisqu'on est gestionnaire de réseaux sociaux. J'ai trouvé quasiment tout de suite un poste chez Educfort où j'y suis depuis février 2020. Donc 24 février, et on a été en confinement, donc le premier confinement est arrivé le 17 mars. Donc je venais prendre mon poste de référente Cap Digital fraîchement, et suite à ce confinement, qui a quand même duré, il me semble, 2 mois, j'ai vu une grosse fracture numérique, tant sur nos stagiaires que chez les collègues, parce que ça a été un peu brutal, hein, cette transition face à face à digital. J'ai fait des demandes pour pouvoir, pendant ce confinement, travailler sur des projets, pour faire bouger un peu les choses, pour aider en fait les collègues aussi à être plus à l'aise. Et quand il y a eu cette annonce en fait de référent numérique, c'était tout naturel pour moi de postuler, puisque c'était dans la continuité de ce que je voulais faire dès mon arrivée. Référente numérique, en gros, nous les référents, donc on est 6 sur le territoire Educfort, donc 2 à Rouen, donc je suis en binôme avec Michael Dubuc. On est on va dire une passerelle entre le siège, donc tout ce qui va être numérique au siège, et les centres de formation. On est là pour créer des contenus, notamment LMS, hein, qui est un gros contenu qui a été créé par les référents numériques et par le labo. On est là aussi pour vous accompagner sur tout ce qui va être process numérique, donc comme la FOAD ou même LMS, vous former, répondre à toutes vos questions. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous envoyer des mails ou même nous appeler pour dès que vous avez un doute, en fait, tout simplement.